Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume. Salut Pierre. Un nouveau live, un lundi à 17h, comme toutes les semaines. Voilà, on continue la présentation à propos du kératocone, cette fois-ci sur l'adaptation en lentilles souples. Donc une adaptation qui se veut plutôt facile. Et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple finalement? Et effectivement, c'est l'hydrocone, c'est la lentille facile, entre guillemets, pour les sur les kératocones et sur les cornées déformées. On va faire un peu d'auto-promo avant de démarrer. On a donc aujourd'hui notre sixième live du coup. Vous pouvez retrouver tous les lives en replay sur la page Facebook SwissLens ou à l'adresse facebook.com/swisslens/live pour revoir absolument toutes nos dernières présentations. Alors, l'adaptation de cornée irrégulière avec hydrocone, donc ça c'est une lentille trimestrielle, semestrielle, au choix. Qu'est-ce qui la rend si particulière, Guillaume? Alors en fait, ce qui est très particulier sur cette lentille-là, c'est vraiment les deux systèmes de stabilisation en face externe, qui sont les deux bosselages qui sont à 3h-9h et qui sont personnalisables. Mais voilà, on a vraiment une face interne qui est sphérique et la stabilisation en face externe en périphérie, donc ça ne gêne pas le confort du porteur. On va le voir un petit peu plus loin pourquoi. Après, elle est sphérique, torique et aussi multifocale si besoin. Donc ça, on va en reparler aussi. Oui, ça c'est important de le noter, elle est sphérique en face interne. C'est quelque chose qui est assez rare hein, sur les lentilles toriques souples. C'est souvent des lentilles toriques internes. Donc là, vu que c'est une cornée régulière, il n'y a pas de réelle symétrie. Donc c'est un avantage d'avoir la toricité en face externe. Oui, l'idée c'est de créer un ménisque de larme parce que le central est donc la partie centrale est un petit peu plus épaisse. C'est qu'une lentille souple classique, hein, c'est une lentille souple épaisse. Voilà, on voit là sur l'image du bas. Donc voilà, elle est plus épaisse au centre. Donc l'idée c'est de créer un ménisque de larme qui va compenser une partie, pas tout, hein, faut pas rêver, une partie de la des déformations ou des irrégularités cornéennes, et qui va permettre de compenser une partie de ces irrégularités. Donc ça va réduire le cylindre nécessaire. Et donc là, on voit bien pourquoi la lentille est plus confortable. C'est que tous les bords sont vraiment fins et on n'est vraiment qu'au centre. Plus épais, et sur votre droite, on a une lentille avec stabilisation prismatique classique, on va dire. Et là, on voit que ben, voilà, vous avez une surépaisseur en bas et qui vient ben, gêner la paupière du bas. Ouais, si on vient surépaissir une lentille avec déjà un système de stabilisation prismatique, c'est sûr qu'on a une lentille qui est horriblement épaisse et qui va venir en appui sur la paupière inférieure. Exactement. Donc, pour expliquer un peu le principe de l'épaisseur de la lentille et le but de cette épaisseur, c'est donc de venir gommer les irrégularités entre la cornée et la lentille, un peu comme le fait une lentille rigide. Oui, c'est l'idée vraiment. C'est cette idée-là. Alors, on n'obtient pas fort, enfin, on ne peut pas obtenir la même chose qu'une lentille rigide, mais c'est vrai que souvent, on arrive à compenser énormément de cylindres. On est souvent même surpris. On arrive à vraiment avoir des compensations sur des cylindres assez forts, juste en créant ce ménisque de larme en partie centrale et qui va vraiment aider pour tout ce qui est compensation des cylindres. Oui. On va aborder un cas pratique, hein. Je pense que c'est plus parlant pour tout le monde. Comment on choisit la première lentille d'adaptation? Alors, est-ce qu'on les premières lentilles, on envoie, en fait, c'est assez simple. La première lentille qu'on envoie pour essai, c'est en fonction et du grade du kératocone ou si on le connaît, ou sinon de l'acuité. Donc, si on a, en fait, c'est bon, c'est une estimation, c'est pas, il n'y a pas besoin d'être très, très 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 précis, mais en soi, on a deux types de géométrie, une pour les kératocones grade 1 et 2, et une autre pour les 3 et 4. Une fois qu'on a déterminé donc le stade du cône, ça définit un peu le design de départ de la lentille, et on va choisir le diamètre cornéen
en fonction de le diamètre de la lentille en fonction du diamètre cornéen. Exactement. Donc on voit là sur les grades 1, 2, on commande une première lentille sphérique avec un rayon central de 8. Si le diamètre cornéen est dans la norme, on a un diamètre total de 14. Si le kératocone est un petit peu plus évolué, on a un rayon central de 7,80 avec un diamètre total de 13,70. Donc ça, voilà, on est sur ça, c'est le standard, on va dire, si vous avez des cornées de diamètre standard avec un kératocone. Après, en fonction, eh ben, si c'est des micro-cornées ou des mégalo-cornées, on adapte un petit peu ça, ces géométries-là. Mais en soi, ça, voilà, ça c'est la Ça, première c'est lentille qu'on doit. Ouais, la base en fait. C'est une idée de ce qu'il faut commander. Exactement. Au niveau Et du protocole d'adaptation, il est assez simple en fait. Enfin, c'est le même qu'une lentille souple torique. exactement. En fait, alors la première lentille qu'on va recevoir, elle est sphérique. Il n'y a pas de cylindre parce que c'est très compliqué de prévoir à l'avance comment la lentille va et se stabiliser et va le mix de l'arme de comment il va se former. Donc, on commande une lentille sphérique avec tous les systèmes de stabilisation comme si elle était torique. Donc en fait, elle a un cylindre à zéro pour voir un peu comment elle se pose. Quand vous la recevez, vous la posez, on attend 30 minutes, et là on commence l'évaluation et de l'adaptation et de la stabilisation. Une fois qu'on a fait l'évaluation de la stabilisation, du moins du centrage, de la mobilité, enfin tout ça, il faut que ce soit correct, comme une n'importe quelle lentille souple, on fait la suréfraction par-dessus la lentille, et c'est là qu'il va avoir l'effet déterminant de savoir si on reste sur une hydrocone ou si on n'a pas d'espoir en lentille souple. On doit avoir une suréfraction qui améliore l'acuité visuelle. Oui, il faut vraiment, voilà, on pose la lentille, on regarde comment elle se stabilise, une suréfraction donc, qui est possible à l'autoréfractomètre, mais voilà, on regarde ce qui se passe au niveau de la vision. Alors il y a deux choses quand même importantes, c'est certaines visions ne sont pas optimales parce que l'adaptation n'est pas tout à fait bonne. Il faut une lentille, si elle est trop mobile ou pas assez, justement, là on se retrouve dans un problème d'adaptation, il faut se méfier de ça. Une lentille trop serrée, par exemple, on a une mauvaise acuité parce que elle bouge dans tous les sens et en plus il y a un mix de larmes qui se crée qui est mauvais, enfin qui est mal supporté pour le porteur au niveau de la vision. Donc voilà, la première vision, c'est si on n'obtient pas une vision vraiment et puis que l'adaptation n'est pas terrible, il faut changer d'abord l'adaptation avant de prendre la décision de savoir si ça correspond à ce qu'on cherche ou pas. Ouais, la suréfraction, c'est vraiment dans le cas où tout le reste est bon, en fait. Si le centrage, la mobilité, le comportement de la lentille en général est bon, on peut faire la suréfraction et espérer avoir un gain en acuité. Exactement. Il faut faire attention, on attend quand même une lentille qui est comme une lentille souple dynamique, mais un tout petit peu moins mobile quand même. Il faut prendre ça en compte. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est voir comment la stabilisation est. C'est-à-dire que, il faut que la stabilisation, même si la lentille se stabilise à 40 degrés, il faut qu'elle soit à 40 degrés stable. Pas qu'il y ait de trop. Si c'est un trop gros mouvement, il faut changer l'adaptation parce que ça sert à rien de faire des suréfs là-dessus. Ouais, il faut pas que la rotation soit aléatoire. Exactement. Donc sur un cas pratique comme celui-ci, on a un cône qui est stade 2, enfin qui est quand même un bon stade 2, quelqu'un qui a un cylindre de 4 à 45 degrés avec une acuité visuelle maximum à 7 dixièmes. Du coup, le choix de la première lentille d'essai a été le suivant. On est parti sur un rayon de 8 et un diamètre de 14. Ça, on a respecté vraiment le protocole d'adaptation. Ouais, et donc on voit bien sur la topo hein, où est-ce qu'est situé le cône. Là, on a reçu cette lentille-là, donc vous voyez moins 2, cylindre de 0, 0, 1 à 0. On pose cette lentille-là et on attend. Voilà, on attend 30 minutes, voir ce qui se passe une fois la lentille posée. Et puis là, sur ce cas-là, on a eu, voilà, on a eu typiquement, on a un mouvement qui est très ample, donc il va falloir changer un petit peu. Ouais, le choix a été fait de resserrer de 20 centièmes. Donc on est passé de 8 à 7,80. Des rayons assez déroutants en lentille souple, on est sur des choses assez serrées. Et puis exactement, on a un rayon qui est relativement serré pour une lentille souple. Après, sur l'hydrocone, il faut faire attention, c'est que
Le central, le rayon central sert à créer le ministre de l'arme, mais la périphérie est très différente. Hein, donc, Ouais, allez. c'est, voilà, ça fait partie d'un peu des choses un peu déroutantes. C'est qu'effectivement, on a des rayons qui sont serrés pour une lentille souple. Après, on adapte des kératocones, donc on a des rayons, des cas moyens qui sont relativement serrés souvent. Donc, c'est aussi lié à ça. C'est là vraiment la périphérie qui rattrape l'autre, enfin la partie serrée du centre. Sur cette lentille 780, donc on a observé sur l'œil une stabilisation qui était plutôt bonne. Et donc ce qu'on peut observer, c'est les gravures de la lentille. Donc l'idéal, c'est de se mettre en diffus avec lumière blanche. Et donc on observe les deux points de stabilisation, les deux gravures. Donc là, le meilleur moyen d'évaluer l'axe, c'est effectivement de se mettre en fente et puis de faire tourner la fente. Normalement, il y a des gravures, hein, d'axes sur les lampes à fente. Ouais, et puis là, on les voit bien. Voilà, je répète, hein, c'est très important qu'elle soit toujours à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on le voit après le clignement, elle s'en va, elle revient toujours à cet axe-là. Ça permet vraiment de prévoir l'axage du cylindre. Oui, on peut dire qu'une rotation inférieure à 5 degrés est tolérable, à peu près. Oui, exact. Ouais, ça, voilà, exactement. 5 Donc degrés, c'est bien. ça peut varier entre 170 et 180, mais bon, l'axe à peu près moyen, c'est 175. Donc c'est ce qu'il faut observer, c'est pas que ça se balade de 30 degrés de manière très aléatoire. Donc on a fait notre mesure de stabilisation et la suréfraction nous donne une valeur de plan moins une 50 à 47 degrés et une acuité visuelle qui remonte donc à 100%, 10 dixièmes. Donc ça, on peut dire que c'est une adaptation qui va fonctionner. Oui, puis en fait, elle a fonctionné en très peu d'essais finalement, hein, parce on a fait une première lentille où l'adaptation en elle-même était mauvaise, on a dû la recommander. Là, l'adaptation est très bien, la stabilisation, on l'obtient, on n'a plus qu'à commander les valeurs pour l'hydrocone définitive, qui se retrouve donc une hydrocone K12, 7,94, moins 2, moins une 37 à 52. Donc on a juste ramené voilà, la valeur du cylindre à la cornée et pris en compte la rotation de 5 degrés par rapport à la valeur de la suréfraction. Cette lentille hydrocone, elle est donc disponible dans différentes matières. Du plus haut des cas en définitive 74, qui est un silicone hydrogel, au matériau hydrogel classique pour les personnes qui ont des difficultés, des larmes assez avec beaucoup de dépôts. Ça peut résoudre les problèmes. Oui, ça fait. Il faut pas hésiter à jouer sur les matériaux parce que l'adaptation se change pas en fait. On n'a pas besoin de changer sur cette lentille-là. Et ça change vraiment le porteur, sachant qu'il y a quand même le fait qu'elle y ait quand même un peu plus soit plus épaisse au centre, quand même fait un échange de larmes minime, mais on fait un quand même. Donc il faut pas hésiter à changer les matériaux. Vraiment, ça aide les porteurs dans leur vie de tous les jours. Donc il faut vraiment pas hésiter, même de passer du définitif à l'hydrogel GM3 et tout ça. Ça, c'est très intéressant. Ça solutionne plein de problèmes de dépôt, notamment comme tu disais. Ouais. Et puis bon, ils sont souvent en terrain allergique, hein, donc c'est peut-être plus facile à entretenir une matière hydrogel qu'une matière silicone hydrogel. C'est moins lourd. En termes de paramètres, bon, il n'y a pas vraiment de limite finalement. Non, on peut le voir, au moins 40 plus 40, cylindres jusqu'à moins 8, tous les axes. Après, bon, voilà, après elle est disponible avec une addition, hein, si besoin, parce que ben, les kératoconiques deviennent aussi presbytes, bien sûr. Donc voilà, et puis après, trois types de progression, centre distance, centre mire et multiconcentrique aussi, sans problème. Ça change rien les adaptations. Hein. Souvent même, on fait l'adaptation en vision simple, VL. Et puis, lorsque l'adaptation est confirmée, on passe sur le système bifocal, enfin, avec les progressives pour le porteur. Mais vraiment, ça marche, ça change rien vraiment de passer en progression. Ouais. Bon après, comme d'habitude chez SwissLens, tout est paramétrable, hein, donc on peut faire évoluer le diamètre de la zone optique centrale. On voit de 1 mm à 4,5 mm. Ça, c'est ce
qui est possible de faire sur toutes nos lentilles. On peut aussi faire évoluer les largeurs de bosses, les hauteurs de bosses, comme on a pu voir des systèmes de stabilisation en fonction des ouvertures palpébrales et de la force palpébrale. Donc ça, c'est plein de petits paramètres en plus qui sont adaptables. Donc là, pour arriver à ce niveau de précision, on va dire, bon, le mieux, c'est de prendre contact avec le service professionnel. Donc il y a plusieurs moyens, soit par mail, soit par téléphone. Et puis Guillaume ou moi ou d'autres, Nicole, ainsi de suite, on sera un plaisir de vous aiguiller. Avec grand plaisir, oui, effectivement. On est là pour ça. Eh bien, on a fait le tour de l'hydrocône. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. C'est un produit qui n'est pas très connu en France, en tout cas. C'est pourtant quelque chose qui fonctionne plutôt bien et on a des très bons résultats dans des pays qui sont pas mal embêtés par les kératocones. Oui, il faut pas hésiter. C'est vrai qu'effectivement, on a moins, sur les marchés francophones, on va dire, on a un peu moins l'habitude d'utiliser ce genre de lentilles. Et je pense que c'est dommage. Effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant. Elle marche vraiment dans des cas. Ça peut être aussi un très bon complément avec une adaptation aux lentilles rigides. Hein, parce que, par exemple, pour faire du sport, des choses comme ça, l'hydrocone, ça apporte un vraiment confort. Puis, ça ne se perd pas, c'est une lentille souple. Hein, donc, le porteur, par rapport à une lentille souple plus classique, c'est la même chose, le confort est là. Par contre, il y a la vision qui est bien meilleure que ce qu'on pourrait proposer, des fois, ce qu'on voit, un kératoconique qui a une lentille rigide et puis il met des souples moins bien adaptés juste pour le sport. Là, vous avez quand même une option où ça lui permet de retrouver vraiment la vision pratiquement de ce qu'il a avec sa lentille rigide. Voilà, avec une lentille qui est vraiment bien. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous lancer dedans. C'est très intéressant. Les porteurs sont très satisfaits parce que la vision est là, le confort est là. Avec, voilà, et c'est pas du tout les prix qu'on peut avoir sur des lentilles plus compliquées, on va dire. Ouais. C'est une lentille voilà, qui est vraiment une très bonne... Un bon rapport qualité-prix, en fait. Enfin, ouais, exactement. Un très bon rapport qualité-prix par rapport à confort-prix, on peut dire aussi. Oui, exactement. Exactement. Donc, oui, c'est un produit à essayer. Et je pense qu'il y a des adaptations sur lesquelles on s'embête beaucoup, alors qu'on pourrait proposer ce genre de produits qui sont beaucoup plus faciles à appréhender. Oui, c'est assez facile à adapter même. Hein, je veux dire, il faut la Fluosoft, ça peut être très intéressant. On a oublié de le préciser tout à l'heure. Oui. Parce que c'est une lentille souple. Mais en soi, voilà. Après, avec la Fluo, les mouvements, c'est pas beaucoup plus compliqué à adapter qu'une lentille souple torique, hein, finalement. Astigmate, ouais. Pour n'importe quel astigmate, on a à peu près le même protocole. Exactement. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à lundi prochain pour un nouveau live qui sera à nouveau sur le kératocone pour la suite de notre série, certainement les lentilles rigides cornéennes. À bientôt. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée.